matin. La solitude, ça n'existe pas. Finalement, sommes-nous vraiment seuls? Je ne pense pas sincèrement que nous soyons seuls au sens où on l'entendrait actuellement. Il est vrai que notre esprit peut éventuellement revisualiser des moments de mémoire, des moments du passé, aussi bien que de projets dans l'avenir, en se projetant dans ses projets, dans un avenir proche, à moyen terme ou à long terme. La solitude, je pense sincèrement que ça n'existe pas. Nous devons gérer un temps, gérer une énergie, et la vie actuelle, nous avons pas mal d'énergie à dépenser pour pouvoir effectuer ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé est de le faire correctement. On peut avoir une pensée à un moment particulier de sa vie, pour une personne décédée par exemple, ou pour une personne éloignée dans l'espace. Donc, nous pouvons nous trouver physiquement seuls, mais dans l'esprit, nous sommes dans une démarche de relation humaine avec soit cette personne décédée, soit avec cette personne dans un autre espace, Cela pour vous dire que la solitude, finalement, ça n'existe vraiment pas. Je le pense sincèrement. 24 heures par jour, c'est peu finalement. Au rythme des cycles, au rythme des saisons, au rythme lunaire, on a beaucoup de choses à effectuer dans notre vie et un temps imparti est limité. Je pense qu'il est sincère et souhaitable qu'on se donne des limites et qu'on prenne conscience de ses limites. Le temps avance, le temps nuit gravement à la santé, entre guillemets, mais c'est vrai que le temps est un bon allié pour vraiment nous poser, nous enraciner, nous ancrer sur la terre comme un arbre dans le temps. Les racines, le tronc, les ramures, les branchages, les feuilles, on croit avec un accent circonflexe sur le i, en hauteur, en largeur et en maturité. Donc la solitude, je pense, n'existe pas en ce sens qu'on peut ne pas avoir le temps d'y penser, entre guillemets, et rares sont les temps où on peut en avoir la notion de conscience. À ce moment-là, ça peut être dangereux et on peut partir, entre guillemets, dans l'éternité. Le temps peut avoir l'impression de s'installer, que plus rien n'avance, tout se fige, tout et dans un moment éternel. En ce sens-là, on peut avoir de la solitude. Mais notre vie actuelle ne nous le permet pas, je le pense sincèrement. En 2006, à Salon de Provence, à la campagne, voilà, aujourd'hui, la patrouille de France s'est tue. C'est une bonne chose. C'est la fête du travail, donc on chôme. Comme un dimanche, pourquoi pas peut-être, on regarde en arrière un petit peu et on regarde ce qu'on a fait dans la semaine. Mais pour regarder ce qu'on a fait en arrière, il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc un compromis entre la psychologie, le social, l'historique et l'économique
pour l'ici, s'adapter dans le présent, est une façon de voir aussi le monde, une façon peut-être cataloguée comme philosophique, certes, mais une façon de voir le monde serein, plutôt heureux, plutôt en bien-être. Voilà, je vous remercie de l'écoute. Et puis, pourquoi pas avoir un peu votre sentiment ou vos avis sur les thèmes abordés lors de ce film. Pourquoi pas vous rencontrer un jour.